Ce samedi 24 juin 2023, Véronique Poivre d'Arvor, épouse de longue date du journaliste Patrick Poivre d'Arvor, est décédée. Une information confirmée par nos confrères du Figaro, ce vendredi 30 juin dans leur colonne. La famille Poivre d'Arvor est en deuil. En effet, ces dernières années, la famille du journaliste a connu de terribles moments. En plus des nombreuses accusations proférées envers le journaliste, cette famille emblématique a été touchée par plusieurs disparitions. En 1974, Tiphaine, la fille de Patrick Poivre d'Arvor et son épouse Véronique Courroux, a succombé à la mort subite du nourrisson. Garance, cinquième enfant de la famille, est quant à elle née sans vie, en 1980. 15 ans plus tard, en 1995, Solène, atteinte d'anorexie, tente de se suicider dans le métro à Paris, à l'âge de 19 ans. Elle succombera finalement à ses blessures à l'hôpital. Elle avait d'ailleurs écrit une lettre d'adieu, « Merci pour tout, mais je n'aime pas la vie. Je veux être incinéré et gardé dans une petite boîte, mais pas jeté à la mer », pouvait-on lire. Elle repose désormais au cimetière de Trégastel, dans les Côtes d'Armor, aux côtés de sa mère, Véronique, disparue le 24 juin dernier à l'âge de 81 ans. Décès de Véronique, l'épouse de Patrick Poivre d'Arvor ce vendredi 30 juin 2023, nos confrères du Figaro ont confirmé dans leur colonne, comme le relaye Pure People, la disparition de Véronique, l'épouse de l'ancien journaliste de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Une triste nouvelle communiquée dans les pages hommages de nos confrères, Patrick, son époux, Dorothée, Arnaud, Morgane, ses enfants, Tiphaine, Solène, Garance, ses enfants disparus, François, Gwenaël, Tristan, Maël, Jérémy, Joachim, Alexandre, Charles, Blanche, ses petits-enfants, Nino et Alba, ses arrière-petits-enfants, ont l'immense tristesse de faire part du décès de Véronique Poivre d'Arvor, survenue le 24 juin 2023 à Neuilly-sur-Seine, est-il inscrit dans un premier temps. Ses obsèques ont eu lieu le 29 juin, à Trégastel, Côte d'Armor, où elle repose désormais, peut-on également lire. Pour rappel, Patrick Poivre d'Arvor et Véronique Courroux se sont rencontrés pendant des vacances, en Bretagne. Véronique, âgée de 20 ans au moment des faits, tombe sous le charme du journaliste, âgé de 15 ans à l'époque. Malgré la différence d'âge, si est-il le coup de foudre. Le couple se marie en 1971 et donne naissance à 6 enfants.